9h du matin, gendarmerie de Paris-Exelmans. L'adjudant-chef Pellier part en enquête. Depuis un an, les gendarmes ont remarqué un phénomène étrange. Des entreprises suspectes fleurissent par dizaines dans la région parisienne. On a plus de 100 sociétés, donc ça fait une centaine d'adresses à vérifier. Aujourd'hui, l'adjudant-chef Pellier veut justement vérifier qu'il existe bien un restaurant et une société de bureautique à l'adresse indiquée sur son listing. Au rez-de-chaussée, pas de restaurant. À l'intérieur, pas la moindre trace d'une société de bureautique. Il n'y a pas les noms sur les boîtes aux lettres, hein, sur la liste des locataires. Pas de doute, le restaurant et l'agence de bureautique sont des sociétés fantômes. Avec ces photos, les gendarmes en apportent la preuve. Ces entreprises bidons cachent en fait des salariés fictifs qui ont tous déposé un dossier aux ACEDIC pour toucher les allocations chômage. Ces dossiers, les gendarmes ont réussi à se les procurer. À l'intérieur, tous les documents sont des faux. Donc nous avons dans un premier temps un contrat de travail. Vous avez ensuite le certificat de travail qui correspond à la période soi-disant travaillée. Nous avons le reçu de solde de tout compte. Ensuite, l'attestation donc destinée à la CEDIC donc, qui est remplie par l'employeur. Et ensuite, nous avons les différents bulletins de salaire qui correspondent à la période travaillée. Ces documents sont des faux parce que, en fait, cette société n'existe pas. C'est une coquille vide et n'a jamais déclaré, d'autre part, des salariés auprès de l'URSSAF. Certains faux salariés en ont profité pour s'octroyer des rémunérations mirobolantes. Plus le salaire est élevé, plus l'allocation chômage est importante. Exemple, avec un revenu fictif de plus de 5 800 euros, ce faux chômeur a reçu des ACEDIC 3 500 euros par mois, soit trois fois le SMIC sans travailler, et ce pendant un an et demi. Pour les ACEDIC, le préjudice est énorme, plus de 10 millions d'euros. Car ces faux chômeurs sont nombreux. Dans leur enquête, les gendarmes en ont déjà repéré plus de 500. Depuis un an, les enquêteurs auditionnent ces faux chômeurs un à un. Un travail de fourmi. Au total, les 500 fraudeurs seront tous entendus, même les récalcitrants. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, c'est la gendarmerie nationale, la brigade de recherche de Paris. Dites-moi, on attendait votre fils ce matin à 8h30. Il n'est toujours pas arrivé. Pour le moment, les gendarmes ont entendu la moitié des faux chômeurs, soit 250 personnes. Une enquête exceptionnelle qui mobilise une équipe de 5 gendarmes à plein temps depuis plus d'un an. Allô ? Vous doutez un petit peu pourquoi on vous a convoqué ici au bureau ? Oui, c'est que sur la feuille que j'ai reçue, ça parle de la CEDIC. Voilà. Vous venez avec votre dossier complet, avec les fiches de paie, contrat de travail, tous les documents que vous avez conservés. Vous n'avez rien conservé ? Non. D'accord. Une astuce classique. En général, les fraudeurs préfèrent ne pas apporter les faux documents dans l'espoir d'effacer les traces de leur escroquerie. Mais une fois en audition, la quasi-totalité des suspects passent aux aveux. C'est le cas de cet allocataire qui aurait perçu indûment le chômage pendant 10 mois. Vous avez perçu pendant combien de temps, alors ? Je sais pas. Moi, j'ai dit. 10 mois, je crois. 10 mois ? Et vous touchez combien d'allocations ? 100 200, je crois, comme ça. Par mois ? Par mois. Ça fait un gros... Ça fait un... Parce que moi, j'avais besoin d'argent et je voulais monter une boîte, en fait, et puis... Ok. L'homme essaie de minimiser les faits. Il prétend avoir touché seulement 1200 euros par mois pendant 10 mois. Il est loin du compte. Cet individu a perçu au total une somme... de mémoire de 23 800 euros. Pourquoi cette personne n'avait pas droit à des allocations chômage ? Parce qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Donc en fait, c'est une facilité pour lui d'acheter ce kit et d'obtenir indûment une allocation chômage. Là, dans le cas d'espèce, une allocation mensuelle qui peut s'élever à 1 600 euros. 1 600 euros sans travailler ? Sans travailler. C'est bien.
Pour prétendre aux ACEDIC, il faut avoir travaillé pendant au moins 6 mois durant les 22 derniers mois. Ce n'est évidemment pas le cas des faux chômeurs. Laurent, 25 ans, vient d'être auditionné par les gendarmes. En 2002, il a acheté un kit ACEDIC à un revendeur, un faux dossier qui lui a permis de toucher les allocations pendant 6 mois. Il accepte de nous parler sous couvert d'anonymat. Je savais que c'était légal, je savais que c'était une fraude, mais bon. Pourquoi tu l'as fait quand même alors? Bah, j'étais dans le besoin, j'étais dans le besoin. Ouais, c'est ce que je touchais à l'époque et c'est ce que je touche maintenant. Et avec ça, franchement, vous ne vivez pas, vous faites pas une semaine, quoi. C'est combien le RMI? C'est moins de 400 euros. Par mois? Par mois. Et t'as touché combien des ACEDIC? J'ai touché 6 mois, 6 fois 1500 euros. Ça fait que t'as touché combien au total? À peu près 9000 euros. Je cherche des habits, un peu en vacances, tu sais. J'ai fait plaisir à ma famille, j'ai participé au loyer, j'ai participé aux courses. Laurent n'avait pas droit aux ACEDIC, car il n'a jamais travaillé de sa vie. Malgré son BEP de comptabilité, on lui propose surtout des postes dans la manutention. Je vais essayer de retrouver du boulot noir ou du boulot si je retrouve du travail légalement, si on me propose un travail correct. Je ne suis pas obligé de me casser le dos. Je suis prêt à travailler, mais bon, si on me propose quelque chose de correct. C'est quel genre de travail qu'on te propose? De la manutention, des choses, faire les mêmes pièces tous les jours, ou porter des cartons tous les jours, des salaires misérables. J'ai quand même un BEP. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses du fait de l'avoir fait? Aujourd'hui, je regrette un peu. Ouais. Je pensais pas que j'en serais arrivé là, mais bon, aujourd'hui, ouais, je regrette. Comment Laurent et les autres fraudeurs se procuraient-ils le fameux kit ACEDIC? Ce sont en fait des rabatteurs qui, un jour, sont venus leur proposer leur service. Les gens sont recrutés dans les NPE, dans les bars, dans la rue. En fait, il n'y a aucun type de recrutement précis. C'est un peu partout. C'est vraiment diffus. Nous allons essayer de nous procurer un de ces fameux kits ACEDIC. Il est 23h, nous sommes à Paris, entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Un informateur nous a signalé que des kits ACEDIC se négocient dans les bars du quartier. Nous filmons en caméra cachée. Est-ce que tu sais s'il y a des gens ici qui donnent les papiers pour les... Pas compris. L'homme n'est pas au courant, à moins qu'il ne se méfie. Deuxième tentative, un autre client se révèle plus bavard. Excuse-moi mon frère, moi je cherche quelqu'un pour l'ACEDIC. Fiche de paix. Oui, fiche de paix. T'as un numéro de téléphone toi? Ouais. Parce que je veux le voir et je t'appelle. Est-ce que c'est quelque chose, c'est sûr ou... Sûr mon ami. Sûr? Il a fait tous les... ma famille. T'as un numéro c'est quoi? Oui. C'est bon. Et faut trouver ton carte de par séjour, oui. C'est tout. Et tous les mois, ils rentrent dans l'argent. C'est quoi, 750? 750, 800. Toi, tu vas le donner premier mois qu'il rentre, tu le donnes à l'argent. Mais tu ne donnes pas avance. Quand il rentre l'argent, tu donnes. Moi, j'ai besoin vite. Oui. Maximum dans deux jours, trois jours. Ah, ça. Ben là, on ne peut pas parler beaucoup de ça. Juste, tu m'as ton numéro de téléphone dans un papier, voilà. Je t'appelle comment? Coiffeur. Le coiffeur. L'homme est prudent. Il préfère utiliser un nom de code, le coiffeur. Mais finalement, et malgré ses promesses, il ne nous rappellera jamais. Pourtant, le trafic de kits ACEDIC continue de prospérer. Vous allez bientôt en avoir la démonstration. Un autre informateur nous dirige un peu plus loin vers une officine de faux papiers. Et là, surprise, cette officine est en fait une société d'assurance des plus respectables. Et c'est une femme élégante qui nous accueille. Est-ce que vous pouvez me fournir des faux bulletins de salaire? J'entends pas, hein, je vous écoute mais j'entends pas ce que vous dites. Hein. Vous n'entendez pas? C'est pas très... Des bulletins de salaire, voilà. Un contrat de travail et une attestation de licenciement. Oui, je vois. Pour que je puisse déposer mon dossier aux ACEDIC. Vous voulez que je fasse dans quoi? Vous pouvez faire comme si j'étais standardiste, par exemple. Mais j'ai pas d'idée très précise. Vous faire des bulletins comme quoi vous étiez secrétaire. Oui, très bien.
Moi, je ferai peut-être un fin de CDD sur 12 mois. C'est quelle société qui va être déclarée sur mes bulletins de paie? C'est une société qui existe, qui n'existe? Oui, c'est des boîtes à moi. Hein. Moi, j'ai des sociétés que je rachète pour ce genre de choses. D'accord. Donc, non, parce que s'il y a des vérifications au niveau des acédiques... C'est pour l'argent. Ouais. C'est pour ce genre de choses. Vous d'accord. Vous allez toucher peut-être 900 ou 980, vous allez toucher par mois. D'accord. Si vous voulez plus, vous me dites. Alors, dites-moi quels sont vos tarifs, alors. Moi, je prends 1 000 euros pour ça. Vous, vous prenez 1 000 euros pour le dossier complet. Pour faire le dossier qui... Et qu'il soit accepté, quoi. Ça, d'accord. Il sera accepté de toute façon. Je peux vous faire 2 000 euros aussi et vous toucherez 1 500, 1 800. D'accord. Il faudra me donner 20 000 francs, donc ça fait 3 000 euros. 3 000 euros. Voilà. Donc le dossier sera prêt pour demain. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. À demain. À demain. Nous commandons finalement le kit le moins cher, celui à 1 000 euros. Un kit qui donne droit à 750 euros de chômage pendant 7 mois. Fabriquer un kit acédique est presque un jeu d'enfant. Il suffit d'acheter un logiciel de paye disponible dans n'importe quel magasin d'informatique. Pour à peine 250 euros, n'importe qui peut ensuite rédiger des faux bulletins de salaire, des attestations acédiques et aussi des contrats de travail. Bonjour. 24 heures plus tard, nous sommes de retour à la société d'assurance. La jeune femme nous fait patienter. Dans la salle d'attente, nous l'apercevons en train de terminer le kit acédique. L'opération prendra seulement une quinzaine de minutes. Donc, je vous ai mis en tant que secrétaire dans une société de bâtiment. D'accord. C'est un fin de CDD. Vous êtes là-bas depuis novembre 2004. Alors, s'il me pose des questions... Moi, je sais qu'il n'en pose pas, mais après... Vous êtes secrétaire, vous étiez là, vous répondez au téléphone, vous faisiez les factures, les devis, c'était pas grand-chose, quoi. Donc, ils étaient au deuxième étage dans l'immeuble. Jamais de la vie, ça irait aussi. Hein. Ouais. Mais je vous le dis quand même. D'accord. C'est un jeune, hein, le patron. D'accord, il est jeune. Il est jeune, oui. Les jeunes, les bureaux sont au deuxième étage. Voilà. D'accord. Donc, il faisait de la sous-traitance maçonnerie. D'accord. Maçonnerie. Ok. La jeune femme a tout prévu. Elle indique même ce qu'il faut raconter en cas de convocation aux acédiques. Une précaution classique. L'escroc interpellé par les gendarmes avait pensé à tout, lui aussi. Il fournissait même un petit mémo écrit à tous ses acheteurs de kits. Il y a beaucoup d'allocataires qui ont été convoqués par les différentes antennes acédiques pour s'expliquer sur leur emploi. Et ils ont relaté texto ce qu'ils avaient appris par cœur par rapport aux pense-bêtes. Mon travail était de programmer des logiciels. J'avais pour collègues Monsieur Tapin et le directeur Monsieur Elie. Les affaires ne marchaient pas très bien. Non, c'est du travail de professionnel. En fait, la personne se protège en même temps pour éviter que la fraude soit découverte trop rapidement. Et ce n'est pas tout. Notre vendeuse de kits nous donne même des petits tuyaux pour profiter des allocations chômage le plus longtemps possible. Vous dites, ouais, je travaille sur Word, Excel, les traitements texte normal, les factures, je les faisais sur Excel. Enfin, des trucs de vraiment type, quoi. Pas plus que... D'accord. Pour pas qu'on vous trouve du boulot non plus, tout de suite. C'est-à-dire ? Bah, faut pas dire que vous avez trop d'expérience, quoi. Enfin, Si on dit qu'on a pas mal d'expérience, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ils vont vous trouver du boulot tout de suite. Ah oui, d'accord. Donc avant même que j'ai le temps de faire quoi que ce voilà. soit. D'accord, ok. Comme je vous dis, aller de temps en temps faire un semblant de trouver du boulot. Enfin, juste comme ça pour pas qu'ils pensent que. Néanmoins, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un souci, appelez-moi de toute façon. D'accord. À l'intérieur du kit, rien ne manque. On trouve l'indispensable attestation acédique jaune de fin de contrat, le certificat de travail ainsi que les 12 bulletins de salaire. C'est ça. 700, 800, 900 et 1 000. Voilà. Et voilà, pour 1 000 euros, nous pouvons toucher 750 euros de chômage par mois pendant 7 mois, soit plus de 5 000 euros au total sur le dos de l'assurance chômage. Bien évidemment, nous ne déposerons pas notre dossier aux acédiques.
Ce genre d'escroquerie s'est développé de façon inquiétante ces dernières années. Pourquoi ces faux dossiers ne sont-ils pas détectés immédiatement par les ACEDIC? À 4 reprises, nous avons sollicité une interview à l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage. Pour toute réponse, nous avons reçu ce fax sur lequel il précise ne pas vouloir donner une importance médiatique surdimensionnée à ces fraudes. Le 14 décembre dernier, l'UNEDIC ouvre ses portes pour une conférence de presse consacrée à l'emploi. Nous profitons de l'occasion pour rencontrer le directeur général, mais visiblement, nous ne sommes pas les bienvenus. Moi, j'ai une question qui concerne la fraude aux ACEDIC qui s'adresse à M. Revoil. Bonjour. Je voulais savoir comment vous expliquiez que des centaines de personnes aient pu toucher les ACEDIC pendant des années avant que, justement, une ACEDIC s'en aperçoive. Bonjour. Vous savez très bien que ce n'est pas l'objet de ce point de presse. J'ai fait 4 demandes officielles d'interview que vous m'avez toutes refusées, donc je viens vous voir. Si on veut regarder ce qu'est cette fraude, il s'agit de fraude en réseau, par des truands, c'est clair. Et on a trouvé 12, 13 affaires qui sont suivies et par les autorités policières et par les autorités judiciaires et pour lesquelles nous portons partie civile. Et je tiens à dire que ce ne sont pas les chômeurs, ce sont des truands. Pour l'instant, nous avons une évaluation qui est globalement de 60 à 80 millions d'euros maximum. C'est déjà trop. 60 à 80 millions d'euros détournés par ces personnes qui ont utilisé des kits. L'ensemble des opérations de fraude, donc de truands, qui exploitent l'assurance chômage. Voilà. Donc là, je vais vous dire, c'est clair, on l'a dit à plusieurs reprises, nous luttons contre ces choses-là. Nous les poursuivons. Pourquoi vous ne croisez pas vos informations avec l'URSSAF ou avec le GARP? Mais attendez, vous êtes la seule institution qui refuse de répondre. Effectivement, si. L'UNEDIC refuse de nous dire quelles sont ses procédures de contrôle. Et pour cause, c'est précisément là que se cache la faiblesse du système. Lorsqu'un nouveau chômeur vient s'inscrire aux ACEDIC, les agents vérifient simplement si l'entreprise est bien inscrite au tribunal de commerce, chose que les truands ont pris le soin de faire. Mais les ACEDIC ne vérifient pas si cette société a réellement employé le prétendu salarié, c'est-à-dire si elle a bien versé ses cotisations salariales à l'URSSAF, une faille exploitée par les fraudeurs. Un simple croisement de données avec l'URSSAF aurait permis d'économiser 80 millions d'euros au bénéfice des vrais chômeurs. En théorie, les 500 fraudeurs qui ont arnaqué les ACEDIC devraient être condamnés pour escroquerie. Mais en pratique, ceux qui rembourseront l'UNEDIC ne seront même pas convoqués au tribunal, comme nous le confirme la juge d'instruction en charge de l'affaire. À la fin de l'enquête, on pointera finalement ceux qui effectivement ont respecté l'engagement et ont payé, et ceux-là ne feront pas l'objet de poursuites, et ceux qui, en revanche, n'auront pas remboursé, et ceux-là feront l'objet de poursuites. Autrement dit, la plupart des faux chômeurs ne seront jamais jugés pour cause d'encombrement des tribunaux. 500 personnes à la barre, c'est l'asphyxie assurée. La justice française n'a pas les moyens d'organiser un tel procès. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle affaire vient d'éclater. Cette fois, ce ne sont pas 500, mais 2000 faux chômeurs qui auraient escroqué les ACEDIC, un pillage organisé. Mais l'UNEDIC n'est pas la seule administration victime des fraudeurs. Les caisses d'allocations familiales, les CAF, sont elles aussi confrontées à des arnaques de grande ampleur. Nous sommes au tribunal de Bergerac, en Dordogne. Un homme est accusé d'avoir escroqué 39 CAF à travers toute la France. Un escroc qui ne tient pas à faire la une des médias. D'accord, voilà. Alors moi, je vous avertis que mon client ne souhaite pas être filmé, qu'il ne souhaite pas que son nom soit diffusé, ni son image, et qu'il m'interdit de donner toute interview. Vous, donc, vous ne pouvez pas vous exprimer à sa place? Non, non. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'à cause de sa famille, il veut pas. Il y a des gens bien placés dans sa famille, notamment des politiques, et il ne souhaite pas que... Il souhaite que tout ça se fasse dans la discrétion. Voilà, je suis désolée. Merci. Comme ça, merci. Cet homme, le voici. L'audience va commencer. Les juges vont essayer de comprendre comment
il a réussi à arnaquer 39 caisses d'allocations familiales pendant près de 2 ans. Parmi les victimes de cet escroc, la caisse d'allocations familiales d'Orléans. Pour cette CAF, tout a commencé au numéro 1 de la rue Royale. Ici, dans cet immeuble du centre-ville, un jeune homme nommé Bernard Mercader perçoit pendant 2 ans des allocations logement. Le seul problème, c'est que Bernard Mercader n'existe pas. Une affaire incroyable à dimension nationale. Car en tout, c'est une centaine de fausses identités qui vont être découvertes dans la France entière. Des allocataires fantômes à qui les CAF ont versé 180 000 euros d'allocation logement. L'argent est viré directement sur des comptes bancaires qui appartiennent en fait à un seul et même homme. Un escroc qui remplissait à la perfection toutes ses demandes d'allocation logement, comme l'a constaté Corinne Dard, qui a contrôlé ses formulaires à la CAF. Alors la demande d'aide au logement est arrivée en février 2001, sous forme papier à l'époque. Et donc elle était composée des documents classiques d'une demande d'aide au logement. Donc il indiquait son nom fictif, qui est donc Mercader Bernard. On a également une attestation de loyer sur, lequel, donc, sur laquelle figure le montant du loyer. Vous avez donc également, une pièce très importante, la déclaration de ressources annuelle, qui précise le montant de ressources perçues pour l'année de référence pour le calcul du droit. Donc en, là, l'occurrence, c'était une déclaration à zéro, donc une ressource pour l'année, en l'occurrence 99. 0 euros de revenus. Les agents de la CAF auraient pu se demander comment un allocataire pouvait payer un loyer sans le moindre revenu. Pour ne pas éveiller leur méfiance, le fraudeur joint à chaque fois une petite lettre d'explication. Donc dans cette demande, le montant du loyer était donc de 2200 francs mensuels. Or, c'est une personne qui avait aucune ressource, ce qui aurait pu éveiller éventuellement quelques soupçons, puisqu'il y avait une disparité, je dirais, entre le montant d'un loyer mensuel et des revenus à zéro. Quelqu'un qui ne travaille pas ou qui n'a pas de revenus ne pourrait éventuellement pas payer un loyer de 2200 francs. Or, cette personne prenait les devants et nous faisait un petit courrier précisant qu'il était en concubinage, que les parents les aidaient financièrement. Nous sommes sans revenus, ce sont nos parents qui nous aident. Sans ce document, la CAF aurait peut-être envoyé un contrôleur sur place. Et là, il aurait très vite compris que Bernard Mercader n'existe pas. Mais grâce à cette lettre, la CAF est rassurée. Bernard Mercader peut payer son loyer avec l'aide de ses parents. Pas de raison d'hésiter. La caisse verse tous les mois l'allocation logement. Les CAF de Paris, Marseille, Rennes, Montpellier, Lyon, Limoges, Strasbourg et bien d'autres encore n'y ont vu que du feu. En tout, ce sont 39 CAF qui sont tombés dans le panneau. Un record. Et pour cause, l'escroc fournissait également une fiche d'état civil très officielle pour chacun des allocataires. Une fausse fiche qui avait pourtant toutes les apparences d'une vraie. Il a fourni des pièces qui, elles, étaient conformes, par contre, puisque c'était des pièces d'état civil que l'on demandait donc, à l'époque. Je vais vous en montrer. Et elles étaient assorties d'un cachet de mairie qui était, lui, complètement vrai, ce qui fait que ça ne pouvait pas nous éveiller le moindre soupçon dans la mesure où ces documents étaient de vrais faux documents, en fait. Comment l'escroc a-t-il réussi à fabriquer ces fausses fiches d'état civil ? Pour avoir la réponse, nous nous rendons en Dordogne, à Prigonrieux précisément, la commune indiquée sur le cachet. Dans ce petit village sans histoire, situé à 7 km de Bergerac, une personne détient la clé de l'énigme. C'est la secrétaire de mairie. Elle se souvient parfaitement de ce matin du mois d'août 2002. Deux messieurs sont rentrés comme des usagers tout à fait ordinaires. Ils m'ont demandé des photocopies d'un plan de la commune. Et ils m'ont demandé 2 exemplaires. Donc je me suis levée pour servir ces 2 personnes. La première personne qui est rentrée est venue s'installer sur le radiateur. Ici, s'est installée comme ça.
Et la deuxième personne est venue se mettre tout à fait contre moi, de façon à me bloquer un petit peu dans mes mouvements. C'est-à-dire, elle était où exactement? Elle était complètement là, très très proche de moi. Bon, ce qui me gênait vraiment un peu quand même que ce monsieur soit si proche de moi. Je pense que c'était pour m'obliger à plutôt m'intéresser à lui que m'intéresser à la deuxième personne qui était sur le radiateur. Et quand j'ai eu terminé, ils m'ont dit « bon, ben, merci, au revoir ». Et l'autre personne qui était donc sur le radiateur s'est levée pour partir. Et je pense que pendant ce temps-là, enfin, c'est ce qui s'est passé vraisemblablement, la Marianne, le cachet de la mairie qui était sur mon bureau, il l'a pris et mis dans une poche. Et ils ont quitté la mairie comme ça, avec la Marianne de la mairie. L'escroc a-t-il volé le tampon ou l'a-t-il simplement acheté à un revendeur? L'enquête de la gendarmerie n'a jamais réussi à élucider le mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien utilisé la Marianne, et même plutôt deux fois qu'une. À la suite de ce vol de tampon, la petite commune de Prigonrieux va connaître une explosion démographique sans précédent. En quelques mois, une centaine de personnes, soi-disant nées à Prigonrieux, vont prendre vie sous la main du fraudeur. Et toutes vont déposer des demandes d'allocation logement. Farceur à 16 heures, l'escroc va même envoyer un dossier au nom d'un certain Courbet Julien à la caisse d'allocation familiale de Lyon. Et pour rendre encore plus crédibles ces personnages fictifs, le fraudeur joint aussi des photocopies de cartes d'identité. Moreno, Polak, Lopez, les noms changent, la photo, elle, reste toujours la même. L'escroc a utilisé le portrait de son beau-père, qui ignore tout de l'affaire. Mais qui est l'homme qui se cache derrière tous ces allocataires fantômes? C'est la gendarmerie de Bergerac qui est chargée de le démasquer. Pour cela, les enquêteurs s'intéressent aux comptes bancaires sur lesquels les allocations logements sont versées. Sur les 39 caisses d'allocation familiale recensées qui nous ont transmis l'ensemble des dossiers, on s'est rendu compte qu'en fait l'ensemble des allocations logement étaient versées sur deux comptes bancaires établis sous fausse identité. Deux comptes bancaires pour récupérer une centaine d'allocations. Comment l'escroc a-t-il réussi un tel tour de passe-passe? Tout simplement en se faisant passer pour le propriétaire des logements. Il demande alors à la CAF de lui verser directement les allocations sur ses comptes, comme la loi le permet. Pour ne pas donner son vrai nom, le fraudeur crée deux propriétaires fictifs, Luc Fargette et Gilles Joanneau. Et à l'aide de faux papiers, il ouvre deux comptes dans les Pyrénées-Orientales, à Collioures, dans cette banque. Impossible pour les gendarmes de savoir qui se cache derrière ces propriétaires fictifs. Mais l'escroc va commettre une erreur fatale. Il utilise un troisième compte bancaire à son vrai nom, sur lequel il se fait verser une allocation. On s'est rendu compte que sur un des dossiers, l'allocation de logement était versée sur un autre compte d'une autre personne qui pour l'instant n'apparaissait nulle part dans notre dossier. Donc on a supposé que ça pouvait être l'individu qu'on recherchait et on a entamé des investigations sur cet individu. Donc c'est les relevés de compte du compte à part sur lequel étaient versées uniquement des allocations sur un dossier CAF. Il y a des périodes où il touche 840 euros et d'autres périodes qui régulièrement, à peu près une fois ou deux fois par mois, s'établit à 280 euros. Quasiment chaque mois, les sommes qui étaient versées sont retirées en liquide. Des sommes rondelettes. Au total, l'escroc soutire 180 000 euros pendant deux ans aux 39 caisses d'allocation familiale. Une fortune qui s'ajoute à ses revenus personnels, car notre homme n'est pas vraiment sans ressources. Le fraudeur qui a longtemps habité cet immeuble a un travail. Il était éducateur social dans un centre de la région Languedoc-Roussillon. Salaire, 1 700 euros net par mois. L'homme a également investi dans l'immobilier. Il était propriétaire d'un studio à Toulouse, ainsi que de cette maison, avec vue imprenable sur la mer, à Port-Vendres,
dans les Pyrénées-Orientales. À l'intérieur, il louait 3 appartements, encore un revenu supplémentaire. Ces petites affaires auraient pu durer encore longtemps sans l'initiative d'un contrôleur de la cave de Saint-Quentin, dans l'Aisne, comme le raconte Frédéric Marinacce, responsable national des prestations. Un dossier a mérité l'étonnement d'un contrôleur qui s'est rendu compte qu'on avait affaire à un dossier avec des jeunes sur le département qui n'avaient aucune ressource, paiement d'un loyer. Et donc on a voulu les questionner. L'escroc avait pourtant bien envoyé sa fameuse lettre, censée désamorcer la méfiance des agents de la CAF. Ce sont nos parents qui nous aident financièrement. Mais bizarrement, la CAF de Saint-Quentin ne tient pas compte de la lettre et envoie un contrôleur sur place. C'est là qu'il découvre le poteau rose. Retour à Bergerac. Nous sommes le 8 novembre 2005. Dans quelques minutes, l'escroc va être jugé devant le tribunal correctionnel. Un jugement qui risque d'être sévère, car le fraudeur a déjà été condamné un an plus tôt pour une affaire identique. À l'époque, il avait détourné 75 000 euros aux caisses d'allocation familiale. L'homme, âgé de 39 ans, entre tranquillement dans la salle d'audience. Pendant le procès, il reconnaît les faits. Il est condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Pour quelle raison l'accusé s'est-il lancé dans une telle escroquerie ? À la barre, il pleure et il avance une justification étonnante. Il aurait détourné cet argent pour réparer le préjudice subi par sa famille. Son père, Arki, aurait tout perdu le jour où il a quitté l'Algérie pour se réfugier en France. Après l'audience, nous décidons de lui téléphoner. Je vous appelle pour vous donner l'occasion d'avoir la parole. 19% des Harkis n'ont pas été indemnisés pour les biens dont ils ont été spoliés en Algérie, d'une part. Ils ont vécu le déracinement et l'internement dans les camps, et que pour cela non plus, ils n'ont pas été indemnisés. Il y a des projets de loi par rapport à ça. Il y a des sommes. Vous pourriez comparer les sommes de la CAF avec les sommes qui sont réclamées par les associations. Et vous verrez qu'on nous rend du compte. Si vous voulez, je vous dis. Est-ce que vous aviez des scrupules quand vous détourniez cet argent, sachant que c'est de l'argent des plus démunis? Mais c'est pas pour les plus démunis, c'est l'argent du trésor public. Il faut arrêter cet argument des plus démunis. C'est de l'argent du trésor public, c'est des fonds publics. L'argent de la CAF, on en fait ce qu'on veut. On enlève, on réduit les dotations de la CAF, on les met dans l'armement, on les met à la sécu, on en fait ce qu'on veut. L'indemnisation des Harkis fait depuis longtemps l'objet d'un débat en France. L'accusé a choisi de prendre sa revanche d'une façon un peu particulière. L'escroc a berné les CAF pendant 2 ans, 2 longues années avant qu'un technicien déclenche enfin un contrôle sur place. Les caisses d'allocation familiale seraient-elles des passoires ? En fait, la CAF est une des rares administrations à croiser automatiquement ses informations avec celles du fisc. Tous les allocataires sont passés au crible, sauf ceux qui n'ont pas de revenus. Et comme par hasard, les allocataires fantômes de notre escroc mentionnaient tous 0 euro sur leur déclaration de ressources. S'il avait déclaré des revenus à la CAF, il doit y avoir une déclaration aux impôts. Et dans ce cas-là, il ne l'aurait pas trouvé non plus. Donc là, pour nous, ça aurait été une indication qu'il y avait une anomalie. S'il n'existe pas dans le fichier des impôts, il faut qu'on le retrouve quelque part. Donc là, pour nous, ça aurait déclenché certainement un signalement qui nous aurait permis d'aller voir certainement ce monsieur pour vérifier sur place ses revenus à cette adresse. Pas de revenus, donc pas de vérification aux impôts. Même les croisements des fichiers les plus sophistiqués comportent des failles et ne peuvent empêcher toutes les escroqueries. Alors, à combien s'élève aujourd'hui le taux de fraude aux caisses d'allocation familiale ? Frédéric Marinacce, le responsable des prestations au niveau national, nous donne une estimation. Les CAF versent 50 milliards d'euros de prestations familiales et sociales par an. Voilà. 50 milliards ? 50 milliards, oui. D'accord, c'est beaucoup ? C'est énorme, c'est beaucoup. Et la fraude représente un phénomène extrêmement résiduel par rapport à tout ça, puisque la fraude, en fait, représente 19 millions d'euros. 19 millions d'euros au minimum, car cette évaluation ne concerne que les fraudes détectées par les caisses d'allocation familiale. Impossible, évidemment,
de chiffrer les escroqueries qui n'ont pas encore été découvertes. Et s'il y avait des gisements de fraude, ça se saurait, parce que je vous rappelle quand même que tous les ans, nous contrôlons 35% des déclarations des bénéficiaires. Donc chaque année, nous contrôlons entièrement 35% des déclarations. Je veux dire que nous ne sommes pas des passoires, ça se saurait quand même. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, un monsieur Jean Dupont peut aujourd'hui, avec son vrai nom, déposer un dossier dans chaque région sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée. Car en 2005, la Caisse d'allocation familiale ne dispose même pas d'un fichier national de ses propres allocataires. Il nous manque un fichier national de tous les bénéficiaires France entière, puisque actuellement chaque CAF a son propre fichier. Et ça sera terminé quand ? Bon, je pense qu'au maximum en 2008. Aujourd'hui, les contrôles se font essentiellement par ordinateur, en croisant les fichiers de la CAF avec ceux du fisc ou des ACEDIC. Et contrairement aux idées reçues, les déplacements sur le terrain sont très rares. Pour une raison simple, il n'y a que 560 contrôleurs pour 10 millions d'allocataires. À la CAF de Toulouse, Denis Chiodo est de cela. Son rôle, se rendre au domicile des personnes soupçonnées de fraude. Aujourd'hui, il se déplace chez un homme qui a touché pendant des années le RMI, le revenu minimum d'insertion, alors qu'il n'y aurait pas droit. C'est Denis Chiodo de la CAF. Dans le cadre du RMI, vous l'avez perçu à partir de 1996. Exact. Et vous n'avez jamais rien déclaré en revenu. Oui, parce que je ne travaillais pas et je travaillais très très peu. L'allocataire n'a déclaré aucune ressource depuis 10 ans. En réalité, il a touché quelques salaires, environ 700 euros par mois. C'est peu, mais c'est déjà trop pour la CAF. Pour avoir droit au RMI, il aurait dû gagner moins de 400 euros par mois. 97. Vous voulez quoi ? Ma chemise, là ? Non, mais monsieur, non, mais j'ai rien à foutre. Je viens pour... Alors, parce que les contrôleurs qui viennent vous contrôler, on gagne que dalle, et les gens qui vont leur balancer les pieds en pagaille, ceux qui gagnent des millions, vous les contrôlez rien du tout, eux. C'est bon. Bon, dans le cadre du RMI... J'ai rien à cirer du RMI. Vous le gardez. Est-ce que vous reconnaissez, vous êtes soustrait aux déclarations ? Vous avez de l'argent, peut-être, c'est ça que vous voulez me dire ? Mais certainement. Voilà, alors vous avez combien ? Mais là, je ne sais pas, mais... Alors là, je peux vous dire, vous pouvez tout prendre ce qu'il y a, là. Et je vais où, moi ? Non, monsieur. Je vais à la rue. Monsieur. Vous pouvez bien, si je vais à la rue, vous devriez parler de moi. D'abord, en plus, j'ai déjà fait de la prison, je vous le dis comme ça. Alors, je suis pas merdeux, hein. J'ai déjà fait de la tôle. J'ai déjà fait 3 mois de tôle. Alors maintenant, c'est bon, j'en ai assez soupé des histoires. Si vous voulez m'emmerder, je vous emmerderai aussi. Et je vous garantis que je suis un connard, moi. Vous le payerez 100 fois plus. Dans le cadre... Ok. Dans le cadre de la régulation du RMI, posez toujours. Est-ce que vous acceptez qu'on en parle ou pas ? Je vous dois combien ? Pas mal d'argent, je pense. Non, attention, parce que je pense que je n'ai pas le truc, alors c'est clair. Hein. Pardon ? Je n'ai pas l'argent. Non, mais ça, je suis bien d'accord, mais comptablement, monsieur. Comptablement, il faut mettre le dossier à jour. D'accord. Bon, en 2003, 769 euros de moyenne mensuelle, et en 2004, 716 euros. Donc là, ça fait obstacle au RMI, monsieur. Est-ce que vous acquiescez ? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pourquoi vous n'avez jamais déclaré à la CAF ces revenus ? Si je déclare tout, je ne mets jamais un thune de côté. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. L'homme n'aurait donc pas déclaré ses salaires pour garder son RMI et faire des économies. Il reconnaît les faits, mais pour le contrôleur, cela ne suffit pas. Denis Chiodo a besoin de recueillir les aveux écrits des allocataires. Est-ce que vous voulez compléter l'attestation ou pas ? Je veux bien vous signer le papier, je m'en fous, de toute façon, j'ai rien à perdre. Bon, allez, je signe, vous remplissez. Ah non, ça vous le commentez. Non, ça vous le commentez. Ça vous sert un peu pour une fois ? Mais je bosse. Tard le soir, des fois. Sans blaguer. Non, mais le peu que j'ai bossé, au milieu du tout, vous savez, alors là... Oui, non, mais je suis d'accord, mais la moyenne mensuelle... Je n'aurais pas mis 3 sous de côté pour venir ici. Monsieur, je comprends bien, mais en 97, ça fait déjà 461 euros net alors, par mois. On travaille 3 mois dans l'année, en 1977. C'est quoi, 300... Combien vous me dites, hein ? 6 924 euros dans l'année. 6 000 euros.
Mais c'est supérieur au RMI, monsieur. Ouais, c'est... J'y suis pour rien, moi, c'est le RMI. Avec le RMI, on peut pas vivre, hein. Non, les factures, dès que je suis dans la merde, vous les payez. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez que vous n'avez pas déclaré vos revenus? Je reconnais. Si vous voulez, vous le mettez. De toute façon, vous avez tout, là. Ouais, non, mais j'ai tout. Toute ma vie, là. Non, mais attendez. Les RG de la France, alors c'est bon. Bien. Maintenant, si vous travaillez, dites-le aux assédiques, quand même, pour pas avoir d'autres ennuis. Et si je faisais assez vite, vous croyez que... Allez. C'est par hasard. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Vous allez vous réclamer, là. Vous avez fait le calcul? Mais le calcul, non, mais je vous l'aurai dans un mois et demi. Alors? Quasiment l'intégralité. L'intégralité du RMI? Quasiment, oui. Vous êtes cinglé ou quoi? Ça, c'est pas non, moi c'est qui... C'est bon, là, je rejette pas. Vous passez en bas d'escalier. Je suis au septième étage, je vous tombe dessus, là. OK? Allez. Rasez le mur, hein, parce que je m'en garantis que l'intégralité, mais vous êtes fanable. Je ne vous ai pas dit l'intégralité, je vous ai dit... Si, si, vous avez dit l'intégralité. Quasiment. Je ne sais pas, l'argent. Il y aura des remboursements effectués au titre du RMI, et après, il encourt une comparution devant une juridiction compétente. Au total, la locataire va donc devoir rembourser la somme de 33 000 euros. La CAF devrait également déposer plainte afin de réclamer des dommages et intérêts. Je ne dis pas qu'il n'est pas démuni, ce monsieur, mais on distribue de l'argent public. L'argent public, c'est le fruit des impôts, des cotisations sociales, de la TVA, etc., etc., de tout ce que l'on paie chaque jour. Bon. Ils doivent être gérés comme des fonds privés, c'est-à-dire avec attention et respect. Nous sommes un organisme de sécurité sociale et il faut le gérer au plus près des intérêts à la fois de ceux qui en profitent et à la fois de ceux qui payent. Mais lors de ces contrôles, Denis Kyodo est parfois confronté à des situations dramatiques. Cet après-midi, il va vérifier s'il faut supprimer l'allocation logement à un artiste absent de son domicile depuis plusieurs mois. On vient rendre visite à un allocataire bénéficiaire du RMI et de l'allocation de logement. Cependant, des informations qui sont parvenues à notre organisme, il semble que depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, il n'habite plus sur Toulouse, ni même il ne réside plus sur la France, mais à l'étranger. Il faut quand même résider sur le territoire pour percevoir les avantages allocation logement et revenu minimum d'insertion. Il faut occuper le logement au moins 8 mois de l'année. Bonjour madame. C'est une amie hébergée par l'artiste qui ouvre la porte. Denis Kyodo va essayer de savoir depuis quand la locataire est partie. Un contrôle qui va lui poser un véritable cas de conscience. Oui, je tremble. Oui, mais c'est ça pas fait la peine. Ça fait deux jours que je dors pas et que je mange pas. Je ne veux absolument pas que soit considéré comme un escroc. Il n'a jamais été. Il a toujours aidé tout le monde. Il a toujours eu à bouffer ici pour tout le monde. La question qui se pose, vous le savez, je ne suis pas venu par hasard. La question qui se pose, c'est il est parti, il n'est pas là. On s'en doutait qu'il n'était pas là. On s'en doutait. Mais il y a un moment qu'il n'est pas là. Si, si, mais je vous promets qu'il a toujours été résident dans cet appartement oui. Et qu'il a toujours passé plus de 3 mois ici, comme le veut la loi. C'est pas 3 mois, c'est 8 mois. En résidence principale, c'est 3 mois. Oui, mais aux impôts, peut-être. Vous comprenez? Il est parti il y a combien de mois? Il est parti le 8 avril. Il est quelque part en France, voire à l'étranger. Non, moi, je pense qu'il est au Vietnam. Il est au Vietnam. Bon. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il aurait dû dire... La locataire est partie depuis le 8 avril. Il a donc passé moins des 8 mois obligatoires en France. Conséquence, il n'a plus droit à l'allocation logement ni au RMI. Mais on ne peut pas demander à percevoir le bénéfice du RMI et de l'allocation logement et habiter dans un pays étranger. Ça peut pas se faire, ça. Vous comprenez? On s'expose. Il n'y a pas de travail ici. Oui, alors peut-être que dans son esprit, il n'a pas voulu tricher. Mais en tout cas, administrativement, le dossier n'est pas exact. Mais il sera arrêté. Et on va revenir vraisemblablement en arrière, et pour le RMI, l'allocation de logement. Revenir en arrière. En d'autres termes, la CAF va demander le remboursement des sommes trop payées. Une décision délicate, car la locataire n'a pas les moyens de rembourser. Et cette femme risque de se faire expulser de cet appartement
à la limite de l'insalubrité. On n'a aucune isolation ici, d'accord ? On vit dans 14-15 degrés maximum l'hiver. Ils nous ont laissé 2 ans sans l'évier, là, ici. Mais je comprends votre douleur. Là, les égouts, les odeurs nous remontent. Ça, c'est pas de mon ressort. Mais c'est le ressort des mais personnes. Madame, c'est pas de mon ressort. Allez si voir, faites, allez si voir une assistante sociale. 389 €, j'ai encore refait mes calculs. C'est sur la bouffe pour que je tienne le loyer et les charges. Et là, moi, je n'en peux plus. Parce que quelle que soit la manière dont on essaye de s'entraider, on n'a rien. Alors le RMI, c'est notre seul minimum. Vous allez aller voir une assistante sociale très rapidement. Sinon, on va faire un signalement et quelqu'un va venir vous voir. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Hein. D'accord ? D'accord ? Dans ce pays, on ne peut même pas garder la tête haute. Mais pourquoi vous ne pouvez pas garder la tête haute ? Parce qu'on est considérés comme des parasites. Parce que nous ne sommes pas capables de nous vendre. Est-ce que vous avez la force d'écrire qu'il est parti depuis le début avril ? Mais si vous... C'est une situation dramatique, puisque cette personne a peur de se retrouver à la rue, sans logement, alors qu'elle était hébergée jusqu'à présent par monsieur et que, à partir du mois prochain, l'allocation logement ne sera plus versée, et le RMI aussi, donc ils n'auront plus le moyen de s'acquitter du loyer. Allez, madame, voyez une assistante sociale, d'accord ? Allez, au revoir. La situation est tragique, mais la CAF applique les textes à la lettre. Toute personne n'ayant pas occupé son habitation 8 mois par an perd le droit à son allocation logement. La seule chose que Denis Chiodo puisse faire, c'est appeler l'assistante sociale. Et dites-moi, le 31 000, c'est dans votre secteur. Est-ce que vous pouvez faire actionner un centre social pour quelqu'un que je viens de contrôler ? Elle est dans un état vraiment mal, hein, nerveusement, psychologiquement. Il faudrait que quelqu'un vienne la voir. Non, il n'y a pas d'enfant, mais bon, je sais pas, je la sens en danger. Je vous le dis comme je le pense. Je la sens en danger. Le locataire de l'appartement va devoir rembourser les allocations logement et le RMI qu'il a touché pendant son absence. Un trop-perçu qui s'élève à 5 000 €. Dans son combat contre la fraude, la CAF n'agit pas toujours seule. Elle est parfois aidée par des citoyens zélés qui ont recours à une pratique taboue et pourtant très répandue, la dénonciation. À la CAF de Toulouse, ce genre de lettres arrive tous les jours. On n'en reçoit que 5 par jour à peu près. Hein. Alors des lettres de dénonciation non anonymes et des lettres de dénonciation anonymes. Alors qui nous dénonce des situations professionnelles, des situations familiales non connues de la CAF, comme celle-ci. Donc là, c'est une vie maritale non déclarée et monsieur serait clandestin, grand trafiquant, recherché par la police et madame touche l'allocation de parents isolés. Et c'est signé Madame X. Vérifiez vous-même, monsieur, et vous allez voir la vérité, la connaître aussi. Et c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Je peux pas donner mon nom, mais je préfère garder l'anonymat. Alors je trouve que ce n'est normal. Quand nous, on travaille et on galère, quant à d'autres, touchent l'argent de tous les côtés, sans effort et sans fatigue. Dans son dossier rouge, Denis Chiodo a rangé une de ses lettres anonymes. Quelqu'un accuse une mère de famille. Elle vivrait en couple alors qu'elle perçoit l'allocation de parents isolés, réservée aux personnes qui élèvent seules leurs enfants. Denis Chiodo veut vérifier ses affirmations. Je peux rentrer ? Oui. Donc ce qui m'amène, c'est votre situation de famille. Oui. Vous vivez comment, vous ? Eh bien, moi, je vis là avec mes enfants. Oui. Vous habitez avec le père des enfants ? Non. Bon, est-ce que le père des enfants vient ici ? Il vient souvent ? Il vient voir ses enfants, oui. Très souvent ? Ben, il est souvent là, oui. Bon, des informations que l'on a recoupées, il semblerait quand même qu'il y ait quelqu'un qui vive ici. Non, mais non, il n'y a personne qui vit ici, non.
C'est pour quelle information, vous dites ? On est venu des informations que la CAF a obtenues, si vous voulez. Bon, non, c'est une personne qui est venue vous voir, qui a posé plainte. Non, moi j'ai la mission, l'ordre de mission, c'est tout. Un contrôleur ne dit jamais à un allocataire qu'il a reçu une lettre de dénonciation. Pourtant, cette femme va très vite le deviner. J'ai eu un problème avec la personne et puis bon, j'ai eu beaucoup de problèmes, c'est pour ça. À cause de quelqu'un en particulier ? Voilà, c'est pour ça. Oui, c'est un homme ou une femme ? Une femme. Vous pensez que vous avez été dénoncée par quelqu'un ? Oui, parce que j'ai eu des menaces de cette personne-là. C'est pour ça. Quel genre de menace ? Qu'elle a eu des problèmes avec son ex-compagnon. Il y a eu des disputes. Elle m'a agressée, elle m'a... Voilà. Vous maintenez votre déclaration ? Oui. Vie isolément ? Sans concubin, c'est ça ? D'accord. Bon, alors ici, lui est approuvé, nom, prénom, signature. Denis Chiodo classe le dossier. Pour autant, cette femme ne comprend pas que certaines personnes puissent en dénoncer d'autres. Alors, n'importe qui arrive, oui, je vais dénoncer cette personne, je vais faire c'est des... Alors, vous n'avez pas été maltraité pendant le... Non, non, hein? Non. On est d'accord ? Non, non, j'ai pas été maltraitée, non. Le comportement de ces gens-là qui sont... Oui, qui sont inadmissibles. Ça ne les regarde pas, ils sont privés des autres. Lors de l'enquête, Denis Chiodo découvrira que le père des enfants paie effectivement un loyer à une autre adresse. Cette mère de famille a donc droit à son allocation de parents isolés. Elle a bien été victime d'une basse vengeance. Faut-il prendre en compte les lettres de dénonciation ? Chaque caisse d'allocation familiale a sa propre politique. À Toulouse, on a choisi de les utiliser. Je pense qu'effectivement, il faut donner suite à toutes les lettres de dénonciation, qu'elles soient anonymes ou pas. Ça vous choque pas que des gens dénoncent d'autres personnes ? Si, terriblement. Moi, je ne pourrais pas le faire. Mais on gère de l'argent public. Hein. On dit toujours on ne verse que les droits et rien que les droits. Mais il est absolument anormal que quelqu'un qui n'ait pas de droit perçoive des prestations pendant X mois, voire plusieurs années, et que quelqu'un qui va être dans la même situation ne puisse pas bénéficier de prestations familiales, parce que, justement, a été honnête. Les lettres de dénonciation visent surtout les petites arnaques. Mais il existe des escroqueries au montant beaucoup plus élevé, et ce, dans toutes les administrations, notamment à l'assurance maladie. 8 décembre 2005, palais de justice de Draguignan. Pour cet homme, la journée va s'avérer décisive. Aujourd'hui, il va être jugé pour escroquerie. Il aurait détourné 200 000 euros à la sécurité sociale. Pourtant, cet homme n'est ni médecin ni patient. Il est artisan taxi. Comment un artisan taxi aurait-il pu soutirer frauduleusement autant d'argent à la sécurité sociale ? Réponse à la CPAM de Toulon, la caisse primaire d'assurance maladie. C'est dans un centre de traitement comme celui-ci que tout a commencé. Ici, des milliers d'ordonnances sont triées chaque jour. Parmi elles, des demandes de remboursement de taxi. En effet, les taxis qui ont passé une convention avec l'assurance maladie se font payer directement le transport des malades par la sécurité sociale. Mais un jour, un agent s'étonne. Il voit passer régulièrement des demandes de remboursement de taxi au montant faramineux. 2 février, par exemple, le taxi a demandé un remboursement de facturation à hauteur de 10 500 euros. Il demande à nouveau le 25 février un remboursement de 13 300 euros. Le 15 mars, 13 600 euros. Le 15 avril, 10 800 euros. Le 30 avril, 11 800 euros. Le 19 mai 2003, 16 116 euros. Le 27 juin, nous avons 15 228 euros. C'est courant que vous receviez des grosses demandes de remboursement comme ça ? Ça peut arriver de temps en temps. C'est bien justement ce qui a éveillé les soupçons de ce technicien. Ça peut arriver d'avoir une série de transports à un endroit bien précis, éloigné. Mais aussi souvent, ça paraît un peu improbable. Autre détail important, la quasi-totalité de ces trajets concerne une seule et même malade. Une femme que le taxi aurait emmenée 190 fois en 2 ans, de Draguignan jusqu'à l'hôpital de Lyon. Soit des allers-retours de 800 km chacun, de jolies courses pour le taxi.
Christian Turkaski est inspecteur à la CPAM de Toulon. Il s'est rendu à Lyon pour vérifier que la patiente est bienvenue 190 fois dans cet hôpital. Pour cela, il a demandé à être reçu par un membre de la direction. Cet ordinateur, c'est un peu la mémoire de l'hôpital. En une fraction de seconde, il donne la liste de toutes les visites effectuées par la patiente. Donc, au total, entre le 27 juin 2002 et le 28 septembre 2004, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 venues seulement. 15 rendez-vous réels. 15 rendez-vous et non pas 190 comme le prétend le taxi. Christian Turkaski, l'inspecteur de la Sécu, n'a pas fait le voyage pour rien. Le directeur m'a certifié pratiquement à 100% qu'il n'y avait eu que 15 venues dans l'établissement et pour tous les services. Donc j'ai la preuve maintenant que sur les 190 factures, il n'y a que 15 transports réels. Les autres, c'est du fictif. Donc j'ai la preuve maintenant qu'il y a eu une malversation. Comment le taxi a-t-il réussi à se faire rembourser 190 trajets alors qu'il n'en a effectué que 15? Quel stratagème a-t-il pu utiliser? Pour le savoir, les enquêteurs de la CPAM de Toulon ont analysé les prescriptions médicales de transport. Et là, plusieurs détails vont leur sauter aux yeux. Le taxi a utilisé une prescription médicale originale sur laquelle le médecin n'avait prescrit qu'un seul transport. Il a rajouté 36 allers-retours sur cette prescription. On voit qu'il s'agit d'un rajout puisque le stylo est différent, écriture appuyée, un noir un petit peu plus poussé, intense. Mais ce n'est pas tout. Le taxi aurait aussi trafiqué les certificats de passage. Des documents qui servent à prouver que sa cliente s'est bien présentée à l'hôpital. Il doit avoir un original de certificat de passage dont il fait des photocopies après avoir occulté la date. On voit quand même qu'il y a un décalage dans les chiffres systématiquement. Donc janvier 2003, eh bien, dans l'alignement, le 20 est déjà légèrement décalé. Des chiffres mal alignés, des rajouts à la main, autant de détails qui prouveraient, selon les enquêteurs, que ces documents auraient été falsifiés. Après 4 mois d'enquête, la Caisse d'assurance maladie de Toulon porte plainte en décembre 2003. Le taxi est alors mis en examen. En attendant le jugement, il continue ses activités. Pour en savoir davantage, nous nous faisons passer pour de simples clients. Ça va, il y a du travail pour tout le monde ? Ouais. C'est pas que du transport de taxi, mais c'est du médical. Du transport médical. Qu'est-ce que c'est ? On importe les gens dans les hôpitaux pour des chimios, des rayons, des suivis de consultations, tout ça. Et ça rapporte pas mal, hein ? Disons, ça permet de vivre tout le long de l'année, quoi. Une personne qui a un cancer, qui va se faire opérer, qui va faire des rayons, de la chimio, elle a peut-être 50 séances ou 100 séances, ça fait des allers-retours. Et vous pouvez aller loin, parce que là, je sais pas, il n'y a pas d'hôpitaux tout près, là. Ah, bon, on va à Marseille, on va à Nice, on va à Monaco. Ça doit faire des belles courses, si vous allez... Des gens à transporter en médical, c'est la folie. C'est un vrai business. Ah ouais, c'est de la folie. Des fois, vous avez le même jour des appels incroyables. Vous ferez que ça. Il faudrait avoir 3-4 voitures. À défaut d'avoir 3 ou 4 voitures, cet homme aurait réussi la performance incroyable de se trouver en même temps à 3 endroits différents. Un don d'ubiquité qui n'a pas échappé à la Sécu. Il a déclaré pour la même journée un départ de Draguignan à 7h du matin pour se rendre sur Lyon et être arrivé, selon ses déclarations, à 12h10. Au cours de cette même journée, il est parti également à 7h du matin de la gare de Fresnay et être arrivé hier à 8h10. Mais cette même journée, il a également déclaré avoir transporté un troisième assuré en étant parti à 13h de l'après-midi du Luc et être arrivé à Nice à 14h, période pendant laquelle il est censé être sur Lyon. Une fraude parfaite suppose de la rigueur et de l'organisation. Mais visiblement, le taxi se serait un peu noyé dans ses papiers.
Il faut dire que pour se faire rembourser 200 000 euros en un an et demi, il faut remplir pas mal de formulaires. C'est compliqué de se faire rembourser. Il y a des papiers à remplir, quoi. Il faut faire le bon transport, il faut le bon passage, il faut remplir la facture. Il y a des prix de travail quoi, derrière. Le soir, quand vous rentrez, vous avez les papiers. Quoi. Il faut payer un quart d'heure, 20 minutes par dossier. Quoi. Jusqu'à son jugement, l'artisan taxi est présumé innocent. Nous sommes le 8 décembre 2005. C'est le jour de l'audience. Aujourd'hui, le taxi joue très gros. Il risque de tout perdre, même sa maison. S'il est reconnu coupable, il devra rendre les 200 000 euros et la Sécurité sociale a d'ores et déjà hypothéqué sa villa afin de garantir le remboursement. L'audience commence, le taxi est à la barre. Mais coup de théâtre, la patiente qui s'est prétendument rendue 190 fois à l'hôpital de Lyon avec lui est absente. Le jugement devait déterminer si cette femme avait joué un rôle dans l'escroquerie. Le procès ne peut se dérouler sans elle. L'audience est annulée. À la sortie, nous interpellons l'artisan taxi. Je voulais avoir votre version des faits sur cette affaire. Donc la CPAM vous accuse d'avoir détourné 200 000 euros. Est-ce que vous reconnaissez les faits ? Non. Non, je ne reconnais pas les faits. Alors c'est quoi la vérité ? Non, mais vous pouvez ne pas répondre si vous voulez. Face à l'absence de réponse précise, nous décidons d'insister et de poursuivre le taxi un peu plus loin. Je ne vais vraiment pas vous exprimer. Aujourd'hui, je suis innocent et je le clame encore haut et fort. L'audience est reportée au 13 avril prochain. Le taxi risque alors de devoir rembourser les 200 000 euros qu'il aurait détournés. Il risque en plus une amende qui peut atteindre 375 000 euros et une peine de prison de 5 ans maximum. Les escroqueries d'une telle ampleur sont exceptionnelles. Mais la Sécu est surtout victime d'une fraude beaucoup plus répandue, les faux arrêts de travail. Le docteur Figuet est généraliste à Bordeaux. Quand il n'est pas à son cabinet, il contrôle régulièrement les salariés. Ce médecin n'agit pas sur demande de l'assurance maladie, mais sur mandat des patrons. Car les chefs d'entreprise ont le droit de vérifier que leurs employés sont vraiment malades. Aujourd'hui, le docteur Figuet se rend au domicile d'un maçon en arrêt de travail depuis plus de 2 mois. Bonjour madame. Docteur, c'est le contrôle médical. Alors, deux petites minutes, il est allé à la pharmacie, s'il vous plaît. Il en a pour longtemps ? Non, je pense pas, juste en vaccin. Vous l'appelez, vous lui dites que je suis là ? Merci madame. D'habitude, il est à la pharmacie. Le médecin commence à se demander si ce patient est vraiment malade. Il n'est pas branché ? C'est pour ça qu'il ne répond pas. Parce qu'il vient de m'appeler, là, pour le vaccin. D'accord. L'épouse du maçon avait dit vrai. Son mari arrive 2 minutes plus tard. Bonjour, monsieur. Je suis le docteur du contrôle médical. Bonjour. C'est votre employeur qui m'a demandé de venir voir pour prendre de vos nouvelles. Hein. Donc, je vais vous demander de me montrer votre dossier, puis en fonction de votre pathologie, je vais vous examiner. D'accord. Ça fait 2 mois et demi que vous êtes arrêté. Qui c'est qui m'a dit ça ? Et comment ça va aujourd'hui ? J'ai encore mal. Vous avez encore mal ? Bon. Et des fois, il me vient ici, il me bloque cette partie ici. Voilà. Merci. Je vais mettre un petit peu la lumière. Bien, je suis tombé sur les bonnes radios du premier coup. Parfait, celle qui m'intéressait. Bon, heureusement pour vous, pour votre avenir, c'est pas trop, trop important. Bah, qu'il fasse attention. Il a mal. Bah oui, qu'il fasse attention, c'est sûr. Le moindre effort, il a mal. Alors, montrez-moi les médicaments que vous prenez, l'ordonnance des médicaments. Ça, le médecin l'a dit, vous le prenez vraiment quand vous avez mal. Bon, donc s'il en a pas trop pris, c'est qu'il a pas trop mal. Mais il en manque déjà. Les boîtes sont presque pleines, donc c'est qu'il en prend pas trop, tant mieux, il vaut mieux. S'il en prend pas trop, c'est que ça va mieux. Hein.
En fait, il en a pris, 4 sur 4 boîtes. Il y avait 10 boîtes. Il y avait 10 boîtes, hein. Oui. 10 boîtes en tout. Bon, maintenant, je vais voir votre dos. Je vais vous examiner. Ce qui m'a un petit peu perturbé dans son cas, c'est que, au point de vue médicament, ben, il prend plus rien, quoi. Il prend plus rien et ça, c'est assez parlant. Ça veut dire quoi pour vous ? Ben, c'est qu'il va mieux. Bon, mais c'est bien. C'est bien. Il va mieux. Médicalement, je pense qu'il va mieux. Hein. Penchez-vous un petit peu en avant. Je vous fais pas mal, je force pas, moi je vous force jamais parce qu'après les gens ils peuvent dire que le docteur vous a fait mal. C'est le docteur qui vous a rendu malade, alors ça c'est un comble. Hein. Bon, penchez-vous en avant. Vous contractez pas là, vous êtes contracté, je sens que vous êtes contracté là. Bon, c'est bon. Moi je pense que médicalement vous pouvez reprendre là. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? Non, mais j'ai mal. Hein. Oui, mais en prenant les médicaments, je pense que c'est possible, vous savez. Parce que le problème, c'est ici. Oui, je sais, j'ai vu, j'ai bien vu. Mais enfin, moi, je vous trouve pas trop mal et je vous trouve apte à travailler. Donc... Moi, cette nuit, j'ai pas réussi à dormir parce que j'avais mal. Il n'y a pas que cette nuit. Hein. Et non, c'est. Eh bien, tu c'est reprends moi. Et il n'y a pas de nuit. Parce que tu ne veux pas. Hein. Oui. Puis s'il faut, je reviendrai, hein, maintenant que je connais le chemin. Oui, voilà. Bon, il est certain que votre travail est un travail difficile, pénible. Si vous soulevez des poids de 80 kg toute la journée, c'est sûr que c'est difficile. Enfin, c'est le travail d'un maçon. Et cette partie ici, ça tire. C'est pas ici en bas. Monsieur, elle a regardé, c'est pas ici. Le problème, c'est là. Ici, jusque là. J'ai regardé tout le dos, vous inquiétez pas. Non, vous êtes regardé jusque là. Mais non, mes yeux, ils regardent de haut en bas. D'accord. Mes yeux regardent autant. Est-ce que parfois vous avez peur de vous tromper justement sur des maladies qui sont difficilement contrôlées ? Ah, bien sûr, ça, j'ai toujours très peur de me tromper et moi je me remets en question tout le temps. Hein. C'est difficile de diagnostiquer le mal de dos ? C'est très difficile parce que les gens, si vous voulez, rentrent dans une logique de douleur qui est difficilement quantifiable. Mais heureusement, nous avons quand même des examens radiographiques. Notamment, lui, il avait un IRM qui est très parlant. Bon, il a le dos d'un maçon de 37 ans. Quoi. C'est sûr que son dos, on supporte les conséquences. Mais enfin, ça, c'est dû au travail. Hein. Pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre les maçons à la retraite à 35 ans. Quoi. Je me sauve. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Douleur ou pas, le maçon va retourner sur les chantiers. Il pourrait contester cet avis en faisant appel au médecin expert des prud'hommes. Mais dans les faits, la quasi-totalité des salariés reprennent le travail sans discuter. Ils n'ont pas vraiment le choix. Un refus peut aller loin, jusqu'au licenciement pour abandon de poste. Le docteur Figuet est mandaté par une société privée spécialisée dans le contrôle médical qui se fait l'intermédiaire entre les chefs d'entreprise et les médecins. Un marché en pleine expansion. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à ces services. Catherine Pierre-Antoni, la gérante, est submergée par les coups de fil. Bonjour. Donc vous avez un droit de regard sur leur état de santé et eux, en fait, une obligation envers vous, c'est de tout mettre en œuvre pour se soumettre à une contre-visite médicale. Ça, c'est tout à fait légal. Vous connaissez votre taux d'absentéisme ou pas du tout ? 7%. Non, parce qu'un taux normal, normalement, doit tourner de 3 à 3%, quoi, en fait. Alors nous, en fait, ce qu'on préconise de faire, c'est le contrôle systématique, c'est-à-dire que ça remet les choses quand même relativement vite en place, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience quand même au niveau de tous les salariés. Je dirais dans le premier mois, ça fait déjà chuter de 30% votre taux d'absentéisme. Donc c'est énorme quand même. La Sécurité sociale contrôle seulement 10% des arrêts maladie prescrits, d'où le recours aux contre-visites privées. Même les institutions publiques font appel au service de cette société. On a travaillé avec la Poste, on a travaillé avec le ministère de la Défense, la Caisse de Sécurité sociale, on a... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous demande une Caisse de Sécurité sociale, par exemple ? De contrôler ses propres salariés. Ça semble étonnant, non ? Non, pas du tout. Non, non, parce que eux, en fait, finalement, ils n'ont peut-être pas assez de contrôleurs pour effectuer les contrôles. Et donc, ils font appel effectivement à nos services. Le docteur Figuet est rémunéré 45 euros par contre-visite, une activité qui s'ajoute à celle de son cabinet médical. Il poursuit sa tournée dans la banlieue de Bordeaux. Mm-hmm.
Bonjour madame. Je suis le docteur du contrôle médical. Il est pas là. Il est pas là. Il vient de sortir. Il revient que ce soir. Oui. D'accord, bon. Enfin, vous le direz que le contrôle médical est passé. Et que, en fait, il a des heures de sortie. Là, il est 13h20. Et les heures de sortie, c'est de 16h à 18h. Bon, je lui laisse un mot en bas. Et puis après, il s'arrangera avec son entreprise. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, madame. Au revoir. Eh bien, on a affaire là à la proportion habituelle, c'est-à-dire que nous avons sur 10 contrôles, il y a à peu près 3 à 4 contrôles où les gens sont absents en dehors des heures de sortie autorisées. On en a l'exemple caractéristique. C'est un petit peu normal, il fait beau aujourd'hui, il fait très beau. À cette époque, fin septembre, octobre, il y a les vendanges, il y a également la chasse qui est ouverte. La chasse à tous les volatiles possibles, y compris les palombes. Et troisième point, les cèpes. Alors ça fait quand même beaucoup de choses qui sont très attrayantes, quoi. Avec les contre-visites, pas de deuxième chance possible. Le non-respect des heures de sortie est automatiquement considéré comme un arrêt injustifié. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Quoi ? Tout est fermé. Je commence à avoir l'habitude. Ça veut dire quoi ? Qu'ils sont pas là ? Okay. Dans ce cas, le salarié absent perd le complément de salaire versé par l'entreprise pendant son congé maladie. Un complément qui peut aller jusqu'à la moitié du salaire. Bonjour madame, je suis le médecin contrôleur. Mais la patiente est bien chez elle. Elle ne perdra pas son complément de salaire. Bon, moi je pense qu'effectivement, si vous avez des contractions, il est très judicieux de vous laisser en arrêt de travail, hein, que vous reposiez et puis que vous meniez à bien votre grossesse. Les contre-visites permettent de débusquer certains faux malades, mais un taux élevé d'absentéisme cache bien souvent un malaise au sein même de l'entreprise. Lorsqu'il y a autant d'absentéisme, c'est peut-être qu'il y a un problème au sein de la société. C'est aussi à l'entreprise de faire l'effort de trouver l'origine du problème. On ne peut pas tout résoudre uniquement par de la répression. On le voit bien avec l'actualité. Hein. On doit être répressif, mais on doit être préventif. Et donc, c'est aussi aux entreprises de comprendre ses salariés. En 2003, 7 millions d'arrêts de travail ont été prescrits. Ils ont coûté 5,5 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Après plusieurs années de hausse, le nombre de congés maladie a baissé de plus de 3% début 2004. Des économies importantes pour la sécurité sociale. Changement de décor, nous sommes à Marseille. Ici, en 2005, un automobiliste malchanceux affirme avoir été victime de 13 accidents de voiture en 3 mois. Une série noire qui n'a pas échappé à sa compagnie d'assurance. Avant d'effectuer les remboursements des dommages, l'assureur a demandé à un détective de mener l'enquête. Son nom, Jean-Charles Donnet. Sa mission, déterminer si l'assuré est un danger public ou plus simplement un escroc. Pour cela, il vient vérifier sur le terrain que l'accident a bien eu lieu, comme il est décrit sur le constat. Donc la voiture de notre présumé fraudeur est sortie de la station-service comme ce véhicule. Il s'est engagé sur cette avenue. Le deuxième assuré arrivait dans le même sens sur la deuxième voie, d'après le croquis. Et pour éviter la voiture de notre présumé fraudeur, a fini sa piste dans la pile de pont qui se trouve juste ici. Mais le véhicule a-t-il vraiment heurté le pilier ? Pour le savoir, Jean-Charles Donnet analyse tous les indices. Il y a un grand trottoir qui protège quelque part la pile de pont. Donc pour aller toucher la pile de pont, il faut quand même monter sur le trottoir, enfin où je ne sais pas exactement comment il a pu faire. Et la troisième chose à vérifier, donc, c'est s'il y a des traces sur la pile de pont. Il faut savoir qu'un véhicule qui touche du béton, ça laisse forcément des traces. Surtout à cet endroit qui est assez pollué, tout est noirci. Le sinistre n'est pas vieux, donc normalement, il aurait dû avoir des traces très nettes. Et à partir de là, ben, on peut en déduire que, a priori, il n'y a pas eu d'impact sur la pile de pont. Pour les 12 autres accidents, le détective a les mêmes doutes. Les constats sont peut-être des faux. Alors pourquoi un conducteur s'amuserait-il à déclarer des sinistres en série à son assurance ?
L'enquêteur est peut-être sur la piste d'un trafic de faux constats amiables. Comment fonctionne une telle arnaque? L'explication est simple. Un fraudeur repère une voiture accidentée. Il aborde la propriétaire. Celle-ci est assurée au tiers. Elle ne peut donc pas se faire rembourser l'aile de sa voiture car c'est elle qui l'a abîmée toute seule. L'escroc, lui, est assuré tout risque. Il lui propose alors un marché. Il imagine un accident pour lequel il se porte responsable. Son assurance tout risque va donc payer le remplacement de l'aile droite à la demoiselle. En échange de ce service, l'arnaqueur lui demande un pot de vin et le tour est joué. Le détective poursuit son enquête. Il convoque les 13 personnes qui ont rempli un constat avec le présumé escroc. Aujourd'hui, il a donné rendez-vous à un jeune homme sur les lieux de son soi-disant accrochage. On va juste commencer par faire une enquête de voisinage pour voir si quelqu'un a vu quelque chose. Et puis après, on va voir ce qui se passe. On va entendre l'assuré pour essayer de confronter aux témoins éventuels. Non, mais il venait de... Bonjour, messieurs, dames. Pour un petit renseignement, s'il vous plaît. Je suis enquêteur pour une compagnie d'assurance et je travaille sur un accident qui a eu lieu sur ce carrefour-là, il y a un mois. Là, quelqu'un qui a brûlé un feu et qui a percuté notre voiture. Ça a dû tomber un mercredi que je ne travaille pas. Non, ça s'est passé un jeudi. Ça ne vous dit rien du tout? Ça me dit d'accord. Rien, sincèrement, ça me dit rien. Merci. De rien. Au revoir. Je travaille sur un accident qui a eu lieu au carrefour, là, il y a un mois. Ah oui, je me rappelle, c'est... Ouais, j'en souviens. Qui a brûlé un feu et qui a percuté... Je me souviens très bien. Alors c'était une bleue, immatriculée... pas bouge du rond. Non, mais les voitures que j'ai sont immatriculées ici. D'accord. Ok, merci monsieur. C'est moi. Au revoir. Les commerçants situés sur le carrefour n'ont rien vu, rien entendu. Pourtant, la collision décrite sur le constat aurait dû faire du bruit. À moins que le choc n'ait jamais eu lieu. Il est 17h, le détective a rendez-vous avec l'un des 13 accidentés. Un jeune homme qui arrive accompagné d'un ami. Pour démasquer les tricheurs, l'enquêteur a une technique bien rodée. Il demande tout d'abord de raconter l'accident par écrit. Donc l'heure, vous devez vous rappeler à peu près de l'heure. Dans l'après-midi, vous rappelez plutôt début, fin. Fin d'après-midi, donc vous marquez. Le 16 mai 2005, en fin d'après-midi. Vous rappeliez où vous alliez, ce que vous faisiez? Je parle du temps, je revenais de la mer. Hein. D'accord, donc le 16 mai, je revenais de la mer. Heure du sinistre, circonstance de l'accident, sens de la circulation, l'assuré donne tous les détails. Des détails qui vont le confondre. Moi, ce que je peux vous dire, donc sans parler d'arrangement, c'est qu'avec vos déclarations ici et votre constat ici, vous n'êtes pas remboursé. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire déjà. Comment ça se fait? Je paye. Bah parce que monsieur m'a dit que ça s'était passé en fin d'après-midi, début de soirée, fin d'après-midi, pardon, qui revenait de la plage, et sur que le constat, c'est marqué que ça s'est passé à 9h35, premièrement. Non, mais moi, vous me dites, il y a deux jours, je ne me souviens pas de. C'est grave alors. J'ai des trous dans la tête. C'est pas grave, c'est médicalement. Vous avez des trous dans la tête? J'ai des problèmes de mémoire. La deuxième chose, c'est que vous êtes trompé quand vous avez parlé des véhicules A et des véhicules B. Parce qu'en fait, c'est le contraire. Dans le croisement, regardez sur les dommages que vous avez déclarés. Vous avez déclaré un dommage côté passager. Or, d'après l'impact, d'après ce que vous avez décrit ici, c'est côté gauche. Donc là, on est côté droit, là, on est côté gauche. Donc ça ne va pas. Mais moi, le constat, je vous ai dit, c'est mon premier constat que je remplis. Je ne suis pas très... Après, bon, s'il m'a fait un coup, s'il a voulu me... Attendez, vous avez signé, vous n'avez pas regardé, vous ne lisez pas ce que vous signez. Je n'ai jamais rempli de constat, je ne peux pas faire autrement. Mais quand vous avez le constat sous les yeux... Moi, je paye une assurance. Bon, les gens, ils roulent sans assurance. Je paye une assurance des cotisations pour ne pas être remboursé. Mais on rembourse. C'est pas parce que les réparations vont être chères que... Non, c'est pas pour le montant. C'est pas moi qui ai fait des escroqueries. Moi, j'ai eu un choc, je paye mes cotisations, je veux être remboursé, simplement. Ah ben. Bon, après, lui, ils vont porter plainte, ils vont lui prendre la police, ils vont lui faire ce qu'ils veulent, je m'en balance, moi. Moi, j'ai eu mon accident, j'ai payé mes cotisations d'assurance, je veux être remboursé, j'ai pas de... Ben, ça, vous le réglerez avec votre compagnie, hein. Mais comprends pas ce que je dis, je me rappelle pas ce que j'ai fait à deux. Ouais, mais monsieur, attendez, faut pas exagérer. Faut pas enfoncer tout le monde. Moi, j'enfonce pas tout le monde.
comprendre, moi, dans cette histoire. La preuve, on vous dit qu'il s'est trompé, qu'il est. Mais je l'ai pas piégé, je lui ai demandé de m'expliquer. Vous l'avez piégé, monsieur. Monsieur, vous l'avez piégé. Vous prenez, vous faisiez ça comme ça, c'est pas des pièges, ça. Vous l'avez piégé. Mon petit cousin, il a pas le trou. Vous l'avez piégé, vous avez vu, vous l'avez enflammé dans ses. Ouais, c'est comme ça, tu es sûr. Moi, j'ai pas l'habitude de remplir des papiers, des constats, et voilà, c'est tout. Je vous ai vu faire le bus. En fait, c'est de la déclaration, il s'est trompé, c'est pas ça. On la refait alors. D'accord pour une deuxième déclaration, mais le détective tient tout de même à conserver la première attestation. Et cela ne plaît guère à l'assuré. Le jeune homme aurait préféré ne pas laisser de traces de toutes les erreurs qu'il a écrites. Vous l'avez dans les mains, vous la déchirer, il y aura les deux. Je ne connais pas pour des dents, donc je ne veux pas qu'on amène un deuxième papier, ça va être crédible après. Pourquoi vous avez rempli le premier alors, mais c'est vous, vous venez à la vie, vous m'embrouillez le cerveau, c'est normal. C'est normal ça. Vous venez franchement, vous me dites, voilà, il y a eu des escroqueries à l'assurance, simplement. On discute, mais là vous l'avez fait à la vicieuse, faut pas. Si vous m'avez dit, faut qu'on a ça à faire de notre vie. On paye des assurances pour quelque chose et encore on doit perdre du temps à venir remplir des papiers. Vous la relisez, vous me dites ce que vous avez écrit parce que je sais pas ce que vous avez écrit encore. Bon. Je remontais le boulevard des Dames, une voiture a brûlé le feu rouge, boulevard Schumann, il m'a endommagé. Ah, c'est dans l'autre sens maintenant. Côté passager, s'il vous plaît, je relis, laissez-moi relire, merci bien. Vous voulez faire le vicieux, on fait le vicieux, je fais le vicieux moi aussi. Allez-y. Voilà, le conducteur de la 406 grise, je ne le connais pas, je n'ai jamais... Curieusement, l'assuré déclare maintenant le contraire de ce qu'il avait écrit la première fois. Le sens de la circulation a changé. Désormais, le choc a bien eu lieu à droite. Un renversement de situation peu crédible pour l'enquêteur. Donc, fait à Marseille, le... L'assuré n'a rien avoué, mais il ne sera pas remboursé de ses 3 500 € de réparation, car le détective a réussi à prouver l'incohérence de ses déclarations. En missionnant des enquêteurs, les assurances économisent beaucoup d'argent. L'affaire suivie par Jean-Charles Donnet n'en est qu'à ses débuts, mais elle va prendre beaucoup d'ampleur. Si on prend des réparations autour de 3 à 4 000 euros par sinistre, multiplié par 13, on atteint des sommes de 45 000, 50 000 euros assez facilement. Et surtout que là, on n'est qu'au début, il n'est pas arrêté. Ben là, pour l'instant, on ne l'a pas encore coincé, donc 13 constats, j'espère qu'on va pouvoir aller vite. On est en bonne voie. Avant de repartir sur le terrain, le détective consulte ses mails. Et l'assurance vient justement de lui envoyer un nouveau message. A priori, c'est un nouveau fax qui concerne l'affaire en cours. Donc c'est un nouveau sinistre déclaré par le même monsieur. Donc ça continue. Tant qu'on n'arrivera pas à l'arrêter, on va recevoir. Donc il est vraiment urgent là, de l'arrêter dans ses méfaits. L'escroc en est maintenant à son 14e accident. Décidément, l'assuré ne doute de rien. À cette allure, il est bien parti pour battre le record détenu par un autre Marseillais, un fraudeur qui n'avait pas hésité à déclarer 80 faux accidents aux assurances. Jean-Charles Donnet doit agir vite. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec une autre personne qui aurait eu, soi-disant, un accrochage avec l'auteur des 14 accidents. Un homme qui va se montrer plus coopératif. Et donc, c'est là, il vous a proposé, il vous a dit... Oui, il m'a proposé un petit arrangement. D'accord. Donc on écrit, il m'a proposé un arrangement. Est-ce que vous avez parlé argent ? Il m'a dit, ouais, il me faudrait un petit dédommagement. D'accord. C'est bon, et combien tout ça ? Il m'a dit 200-300 euros, tout ça. D'accord. Donc après, je l'ai retiré, j'ai donné la somme. En tout, trois personnes vont avouer avoir donné de l'argent en échange des faux constats. Une personne qui avoue, elle est dans l'hypothèse où elle se repent, en quelque sorte, de ce qu'elle a commis. Donc, en général, les compagnies d'assurance sont plutôt clémentes en ce qui concerne les poursuites judiciaires. Bon, c'est sûr qu'elle ne sera pas indemnisée, cette personne. Mais ça risque de ne pas aller beaucoup plus loin. Et pourquoi l'assurance est clémente avec une personne qui reconnaît les faits ? Parce qu'elle lui fait gagner du temps. Et donc, du temps, c'est de l'argent. À partir du moment où elle commet les faits, l'enquête à son sujet va peut-être s'interrompre et on va pouvoir passer à autre chose. Le but, c'est d'arrêter le fraudeur le plus vite possible. Donc... En agissant ainsi, on va directement le voir et on laisse tomber tous les gens qui ont avoué puisque la mission est terminée pour eux. Le détective décide de partir en repérage au domicile du chauffard.
il tient à vérifier que sa voiture a bien subi les chocs décrits dans les constats. Le véhicule du suspect n'est pas sur le parking. L'enquêteur se met en planque. Il espère voir l'assuré revenir au volant de sa voiture. Pas de chance pour cette fois. Au bout d'une heure, il décide de téléphoner au suspect pour lui donner rendez-vous. Oui, bonsoir monsieur. Je suis monsieur Donnet. Et en fait, je souhaite vous rencontrer pour vous poser 2-3 questions sur un constat que j'ai sous les yeux. En fait, la compagnie me demande des précisions sur les circonstances de l'accident. Est-ce que vous accepteriez de me rencontrer? D'accord. Ben, si vous voulez, moi, ce que je vous propose, c'est on se donne rendez-vous demain. Très bien. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Le lendemain, le détective ne se rend pas seul au rendez-vous. Il est accompagné par son patron, Rémi Monnier. On y va à deux dans un souci de sécurité. On ne sait pas sur qui on va tomber. Hein. On l'a juste eu au téléphone. A priori, il a l'air plutôt calme au téléphone. Maintenant, on a choisi un lieu public et on y va à deux. Ça nous permet d'assurer notre coup. Pour ne pas gêner le travail des enquêteurs, nous tournons en caméra cachée. Le rendez-vous a été fixé à 16h. Il est déjà à 16h20. Les détectives s'inquiètent. Ils ne savent pas à quoi ressemble l'homme qu'ils attendent, alors ils observent tous les clients qui entrent. En vain. L'assuré a peut-être flairé le piège. Ça arrive que les personnes vous posent des lapins ? Ça arrive. Il y a un monsieur qui arrive. On va voir. Ça pourrait être lui. Il n'est pas un peu vieux ? Non, 36, je ne sais pas. Finalement, l'homme arrive tranquillement avec 30 minutes de retard. Pour le faire avouer, les enquêteurs vont tenter de l'impressionner. J'ai un certain nombre de constats, nombre de 13, où vous apparaissez. Donc voilà, on va avoir un peu des explications pour savoir ce qui a pu se passer. Je vous ai arrêté, ça faisait un an et demi que je travaillais pas. Ouais. Je me suis mis à prendre des cachets. Pas très longtemps, bon, j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté de conduire. Je conduis même plus. Je suis venu en bus. Mais pour travailler, comment vous faites? Parce que je veux bien que... L'homme est chauffeur-livreur, il passe toutes ses journées au volant d'une fourgonnette. Plutôt ennuyeux quand on est sous l'emprise de médicaments. J'arrive à me maîtriser par rapport au travail. Je me concentre. Bon, et là, que je prenne ce cachet, j'en ai pris un wagon. D'accord. Donc, ce que vous essayez de me dire, c'est que vous prenez un traitement qui vous assomme ou vous en sucre. Je n'ai pas pris le traitement. Non. Mais, je vous dis la vérité, j'ai ce cachet, c'est ma femme qui les a pris pour dépression. D'accord. Et vous les avez pris, vous? Je les ai pris. D'accord. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur tous les constats, j'en ai pas un seul qui tient la route. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que... De toute façon, les gens nous ont dit qu'effectivement, ce sont des faux constats, tout simplement. Donc, moi, j'ai pas fait de faux comme ça. Moi, j'ai eu les accidents que j'ai eus, je les ai vus. Vous avez vraiment intérêt à me dire ce qui s'est passé, parce que là... Moi, j'ai eu des accidents. Vous avez eu des accidents, mais vous ne reconnaissez pas. Donc, ces personnes qui avouent... Je me rappelle même plus si j'étais avec ces cachets. D'accord. Ces personnes qui avouent vous avoir donné de l'argent... C'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait avoué alors ? J'avais pris d'argent. Bah ouais, mais je suis fou quand même. Bah. C'est ce que j'ai fait. Là, vous avez... Je sais que j'avais pris des cachets, vous mais avez... pas pris des... Vous avez aucune chance là. Si vous gardez cette attitude, vous avez aucune chance. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils nous raconteraient qu'ils vous ont donné de l'argent alors qu'ils l'ont pas fait ? Ça tient pas, hein ? Je sais pas. Vous savez pas, mais c'est pas bon pour vous. Attendez, je suis pas fou. C'est pas parce que je travaille pas que j'ai pas faire ça. C'est quelque chose qui est assez courant sur Marseille. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a un gros dossier comme ça. Réfléchissez bien. Parce que tant qu'on en reste à ce stade-là, on peut s'arranger. Après, c'est le rouleau compresseur. Hein. C'est la justice, et c'est la police, commissariat et tutti quanti. Hein. Tout l'accuse, mais pourtant l'homme continue à nier. Il risque d'être condamné pour escroquerie. Un délit puni d'une amende pouvant atteindre 375 000 euros.
et d'une peine de prison de 5 ans maximum. S'il est reconnu coupable, son assurance ne remboursera pas les dégâts soi-disant liés aux 14 accidents. Au total, la lutte contre la fraude permet aux assurances de gagner 100 millions d'euros par an. Ce sont les détectives qui mettent à jour la plupart des escroqueries. Le business des enquêteurs a encore de beaux jours devant lui.